Moi, chers amis, je m'inspire avec Jésus en forme et c'est un plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui, qui c'est samedi 25 décembre, pour que nous soyons capables de rencontrer et pour nous introduire ensemble un nouveau guide d'études que nous gagnons et pour un nouveau trimestre et pour une nouvelle année qui va démarrer. Et nous sommes passés une année côté que chaque jour nous avons étudié. Eh bien, parole bon Dieu à chaque jour à travers plusieurs guides d'études que nous avons pendant l'année 2021. Tandis que nous étions une semaine et complète pour que nous puissions passer dans l'année 2021. Mais nous déjà gagné l'autre trimestre qui commençait. Eh bien, trimestre qui a commencé jeudi et qui a prend fin samedi qui a 25 mars 2022. Et c'est un plaisir, les amis. Et pour le premier trimestre de l'année 2022, nous allons étudier ensemble le guide d'études ça, et qui porte le titre « En ces derniers jours, le message de la lettre aux Hébreux ». « En ces derniers jours, le message de la lettre aux Hébreux ». C'est le guide d'études ça que nous allons regarder ensemble pendant le trimestre là, et pour que nous soyons capables d'étudier ensemble. Le trimestre dernier, nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le livre de Théonome là. Mais pour trimestre, nous allons voir ensemble un autre guide d'études et fois ça, nous allons centrer sur un livre qui trouvait dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament plutôt, qui c'est Épître aux Hébreux. Mais thème guide d'études là, c'est en ces derniers jours, le message de la lettre aux Hébreux. Et bien, avant même que nous entrions dans l'introduction, leçon, et bien, ce maintenant, et pour nous dire introduction guide d'études là même, à nous prier le Seigneur. Papa, nous qui dans ciel là, merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour ça chaque jour vous comptez réaliser dans la vie nous. Merci après une année et bien côté que nous passer chaque jour avec des paroles. Tandis que nous pourrons déboucher avec le trimestre. Nous demandons au Dieu même j'en ensemble avec nous durant toute année 2021 qui était bien et une semaine pour qu'elle capable fini, n'a demandé même gens pour qu'elle ensemble avec nous dans nouvelle année qui va commencer et dans nouveau trimestre là. Et comme ça, au Dieu, chacun de nous capable d'étudier parole, comprendre et mettre en application. Attendez, crie-nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Et les amis, et pas oublier, chaque fois que vous-même, vous finissez d'étudier, eh bien, vous avez le devoir pour capable partager les leçons avec entourage pour encourager l'autre monde à étudier. Eh bien, baissez toute détermination ça pour dire, dans la nouvelle année ça, qui peut apparaître là, dans le nouveau trimestre là, eh bien, et baite tout objectif pour aider au moins yon l'autre monde étudier le son de l'école du sabbat. Jean qui nous dit là, nous avons un nouveau trimestre, yon l'autre guide d'étude et nous parlons dans première leçon. Et première leçon, eh bien, les titres comme ça, la lettre aux Hébreux et à nous. La lettre aux Hébreux et à nous. C'est une leçon qu'on a commencé à étudier depuis jeudi, eh bien, qui c'est samedi 25 pour nous arriver vendredi qui a 31 décembre. Et dans le sens maintenant, nous avons ensemble deux textes que nous allons joindre qui pourront aider moi-même ensemble avec vous comprendre. Et bien, le sens maintenant, nous avons Hébreux chapitre 2, verset 3 et 4, 1 Pierre chapitre 4, verset 14 et 16. Nous avons tout Hébreux chapitre 13, verset 1 à 9 et verset 13. Nous avons dans le sens 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 18. Et nous avons également Hébreux chapitre 3, verset 12 à 14 et finalement nous jeune Nombre chapitre 13. C'est texte ça yo avec un pilote encore nous va gagner pour nous dans cadre étude semaine là. Mais verset nous gagner pour nous mémoriser dans cadre leçon semaine ça c'est Hébreux chapitre 10 verset 36. Mais qu'est-ce qu'il dit? Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux chapitre 10, verset 36, et bien qui c'est texte. Nous avons gagné pendant toute semaine pour que nous soyons capables d'arriver à mémoriser. Et bien, dans l'introduction leçon 1, je fais nous comprendre. Est-ce que nous jamais imaginé comment ça t'appuyer pour nous attendre Jésus ou bien un disciple qui t'a prêché? Est-ce que j'aime imaginer une scène comme ça? Et nous avons une petite portion à quelques résumés et des sermons que tu connais.
Mais écrit ça yo ba nou yon ti l'idée limitée, très très limitée de ça que monsieur ça yo même yo te konn parler. Mais de ça que yo te konn réaliser, des sermons que yo même yo te konn ba nan epok pa yo. Cependant, bon Dieu te conservé dans Bible là au moins yon sermon complet et pour nous même. Et ben qui c'est lettre ça que Paul te écrit pour Hébreux. C'est lui nous pas gain pour nous pendant tout trimestre là. Et ben Paul qui c'est auteur lettre ça, et ben lettre qui écrit pour Hébreux, et ben lui considère lettre ça tant qu'une exhortation. Là nous lit dans Hébreux chapitre 13 verset 22. Et expression ça te identifié ces mots hein. C'est moi qui était konn bay dans synagogue yo, dans service que chrétien était konn fait. Et ben, yo te utilisé et ben expression ça comme si exhortation parce que les réunis pour prier, et ben toujours gagné des sermons qui présentaient et ben sous forme d'exhortation. Et ben comme ça, et ben li fait connait que lettre ça et ben li était écrit et ben pour Hébreux. C'était premier sermon et ben chrétien qui était complet que nous-mêmes nous gagné. Et ben livre ça en parlant de lettre qui était écrit pour Hébreux, et ben t'est adressé avec premier croyant yo qui t'est recevoir Jésus dans vie yo, mais qui t'a traversé en pile épreuve. Gen chrétien yo publiquement yo te qu'on a humilié yo, yo te qu'on a persécuté yo. Gen là de retour qui t'est gen problème l'argent, qui a dit économiquement de façon financière yo t'est vraiment très 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 pauvre. En plus là-dedans, il était fatigué et puis il était commencé à poser et ben question sous décision ça il était prend pour yo marcher ensemble avec bon Dieu tellement et ben il était joint en pile problème tellement il était venu en pile persécution. Est-ce que je dis ya et pas gagner dans mitan nous et bien cap fait face avec même problème ça. Oui, certainement je dis ya gagne en pile dans nous qui a connu des moments très 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 difficiles. Et bien malgré tout, face avec tout problème ça yo, et bien Paul dans un sermon, et bien lui encourager chrétien yo pour yo persévérer dans la foi et puis pour yo fixer regard sur Jésus, et bien qui a travaillé kounya même dans sanctuaire céleste là pour nous-mêmes. C'est-à-dire Jésus continue à travailler pour nous. Non seulement Jésus vient mourir pour nous, lui ressusciter, le monter dans le ciel, mais il continue à travailler et bien pour nous. Et bien c'est introduction leçon semaine là. Et bien qui c'est leçon 1 la lettre aux Hébreux et à nous. Et bien nous gétant ouais leçon ça, c'est une leçon qui va aller en pile exhortation, c'est une leçon qui va et bien râler les oreilles nous même parfois par rapport avec difficulté que n'a joindre dans course chrétienne là, et bien qui voulait abandonner. Mais nous et Paul, et bien là regarder comment chrétien ont persécuté, comment chrétien ont tourmenté, et bien Paul t'a décidé écrire une lettre pour qu'il est capable motiver chrétien yo pour qu'il soit capable de persévérer dans la foi. Nous même aujourd'hui, ben nous avons fait face avec même difficulté ça yo, et ben en nous garder la foi, en nous fixer les yeux nous sur Jésus pour que moi même ensemble avec vous, et ben nous pas quitter rien décourager nous pour que nous capable gagner la vie éternelle. Et ben c'était introduction leçon n'a bien pour nous étudier pendant semaine là qui c'est leçon 1 la lettre aux Hébreux et à nous verset à mémoriser Hébreux chapitre 10 verset 36. Avant même que nous allions, on nous prions bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Merci pour étude et bien parole que tu as préparé pour nous. Tandis que nous avons l'autre trimestre qui démarre, nous avons besoin de Dieu. Aidez-nous pour que chaque jour nous étudions parole, nous comprenons parole et nous mettons parole en application. Tandis que nous Père, nous ne pouvons juste nous parler de mérite, mais nous prions ça dans Jésus. Amen. Déjà, monsieur Théo, et bien, bonne étude. Eh bien, bon trimestre et bonne semaine. Et déjà, et de façon anticipée, je vous souhaite une bonne année ensemble avec Jésus. Et que Dieu vous bénisse.